Chapitre 3. Échange d'impressions. Nous suivîmes le cortège du regard jusqu'à ce qu'il eût rapidement disparu dans le bois enlincelé de brume. Bientôt, le bruit des sabots et des roues s'éteignit dans la nuit silencieuse. Il ne restait plus rien pour nous assurer que cette aventure n'avait pas été une simple illusion de quelques instants. À rien, sauf la jeune fille qui ouvrit les yeux à ce moment précis. Je ne pouvais pas voir son visage, car il n'était pas tourné vers moi. Mais elle leva la tête et regarda tout autour d'elle, puis demanda d'une voix douce et plaintive. « Où est maman ?» L'excellente Madame Perraudon lui répondit d'un ton plein de tendresse et ajouta quelques assurances réconfortantes. Ensuite, j'entendis l'inconnu poursuivre en ces termes. « Où suis-je ? Quel est ce lieu ? Je ne vois pas la voiture. Et Matska, où est-elle donc ?» Madame Perraudon répondit à toutes ces questions dans la mesure où elle pouvait les comprendre. Peu à peu, la jeune fille se rappela les circonstances de l'accident et fut heureuse de savoir que personne n'avait été blessé. Puis, en apprenant que sa mère l'avait laissée là pour 3 mois jusqu'à son retour, elle se mit à pleurer. Je m'apprêtais à ajouter mes consolations à celles de la gouvernante quand Mademoiselle de La Fontaine posa sa main sur mon bras en me disant « Ne vous approchez pas. Pour l'instant, elle ne peut parler qu'à une seule personne à la fois. La moindre surexcitation pourrait l'accabler. » Dès qu'elle sera bien installée dans son lit, pensais-je, je monterai dans sa chambre et je la verrai. Cependant, mon père avait envoyé un domestique à cheval chercher le médecin qui habitait à 2 lieues de distance pendant qu'on préparait une chambre pour recevoir la jeune inconnue. Celle-ci se leva enfin et, s'appuyant sur le bras de Madame Perraudon, avança lentement sur le pont-levis avant de franchir la porte du château. Les domestiques l'attendaient dans le vestibule et elle fut conduite aussitôt dans sa chambre. La pièce qui nous sert de salon est très longue. Elle est percée, au-dessus des douves et du pont-levis, de 4 fenêtres qui donnent sur le paysage sylvestre que je viens de décrire. Elle renferme de vieux meubles en chêne sculpté et les fauteuils sont garnis de coussins en velours rouge d'Utrecht. Des tapisseries couvrent les murs tout entourés de grandes moulures d'or. Les personnages, grandeur nature, portent de curieux costumes d'autrefois. Les sujets représentés sont la chasse à cours, la chasse aux faucons et diverses réjouissances. La pièce n'est pas imposante au point de ne pas être extrêmement confortable. C'est là que nous prenions le thé, car mon père, en raison de ses tendances patriotiques, insistait pour que ce breuvage national apparût régulièrement sur la table en même temps que le café et le chocolat. Cette nuit-là, nous nous retrouvâmes dans ce salon, en train de parler, à la lueur des bougies, de l'aventure de la soirée. Madame Perraudon et Mademoiselle de La Fontaine étaient avec nous. Une fois étendue dans son lit, la jeune voyageuse avait aussitôt sombré dans un profond sommeil et les 2 gouvernantes l'avaient laissée aux soins d'une domestique. « Comment trouvez-vous notre invitée ? » demandai-je dès que Madame Perraudon entra. « Parlez-moi d'elle, je vous prie. » « En vérité ? » « Elle me plaît énormément. C'est, je crois, la plus jolie créature que j'ai jamais vue. Elle a à peu près votre âge et me paraît très douce et très aimable. »« Elle est d'une merveilleuse beauté !» ajouta Mademoiselle de La Fontaine, qui venait de jeter un coup d'œil dans la chambre de l'inconnue. « Et elle a une voix particulièrement mélodieuse !» s'exclama Madame Perraudon. « Avez-vous remarqué dans la voiture, après qu'elle eut été redressée, la présence d'une femme qui n'a pas mis pied à terre mais s'est contentée de regarder par la fenêtre ?» demanda Mademoiselle de La Fontaine. « Non, nous n'avions rien remarqué de pareil. » Là-dessus, ma préceptrice nous décrivit une hideuse négresse, coiffée d'un turban de couleur, qui n'avait pas cessé de contempler la scène en adressant aux 2 voyageurs des signes de tête et des grimaces moqueuses, roulant les grosses prunelles blanches de ses yeux étincelants et serrant les dents comme sous l'empire d'une furieuse colère. « Avez-vous observé, d'autre part, la mine patibulaire des domestiques ?» demanda Madame Perraudon. « Oui, » répondit mon père, qui venait d'entrer. « Jamais je n'ai vu de gaillard à l'air sinistre, à l'expression plus sournoise. J'espère qu'ils ne vont pas dévaliser cette pauvre femme en pleine forêt. » Mais je dois ajouter que ces coquins sont très adroits. Ils ont tout remis en place en quelques instants. Peut-être sont-ils fatigués par un trop long trajet, fit observer Madame Perraudon. Non seulement ils avaient l'air peu rassurants, mais encore leur visage m'a semblé étrangement maigre, sombre et revêche.
J'avoue que je pêche par excès de curiosité, mais j'espère que notre jeune invitée nous racontera tout demain, si elle a suffisamment repris des forces. Je crois qu'elle n'en fera rien, déclara mon père en souriant d'un air mystérieux et en hochant la tête, comme s'il en savait davantage qu'il ne se souciait de nous en révéler. Ceci me rendit d'autant plus curieuse d'apprendre ce qui s'était passé entre lui et la dame vêtue de velours noir au cours du bref mais sérieux entretien qui avait précédé immédiatement le départ de la voiture. Dès que nous fûmes seuls, je le suppliai de tout me raconter et il ne se fit pas longtemps prier. Je n'ai vraiment aucun motif de garder le silence à ce sujet. Cette dame a manifesté une certaine répugnance à nous importuner en nous confiant sa fille. Personne très nerveuse et de santé délicate. Elle a aussi déclaré, sans que je lui ai posé la moindre question à ce propos, que notre jeune invitée n'était sujette à aucun accès, aucune crise, aucune hallucination, et que, en fait, elle jouissait de toute sa raison. Je trouve fort étrange qu'elle ait dit tout cela. C'était absolument inutile. Quoi qu'il en soit, elle l'a bel et bien dit, répliqua mon père en riant. Et puisque tu veux savoir tout ce qui s'est passé, bien peu de choses en vérité, moi je te le répète. Ensuite, elle a ajouté, je fais un voyage d'une importance vitale, elle a souligné le mot, qui doit être rapide et secret. Je reviendrai chercher ma fille dans 3 mois. Pendant ce temps, elle ne révélera à personne qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. C'est là tout ce qu'elle m'a confié. Elle parlait un français très pur. Après avoir prononcé le mot secret, elle a marqué une pause de quelques secondes, le visage sévère, les yeux fixés sur les miens. J'imagine qu'elle attache une grande importance à cela. Tu as vu avec quelle hâte elle est repartie. J'espère que je n'ai pas fait une sottise en me chargeant de prendre soin de cette jeune personne. Pour ma part, j'étais ravie. Brûlant de la voir et de lui parler, j'attendais avec impatience le moment où le médecin me le permettrait. Vous qui habitez la ville, vous ne pouvez concevoir l'extraordinaire événement que constitue la venue d'une nouvelle amie dans une solitude semblable à celle où nous vivons. Le médecin arriva vers 1 h du matin, mais il m'eût été tout aussi impossible d'aller me coucher et de dormir que de rattraper à pied la voiture dans laquelle avait disparu la princesse en velours noir. Lorsque le praticien descendit au salon, il nous donna d'excellentes nouvelles de sa malade. Elle était maintenant assise dans son lit, son pouls battait régulièrement et elle paraissait en parfaite santé. Son corps était indemne et le léger choc nerveux qu'elle avait subi avait disparu sans laisser de suite fâcheuse. Il ne pouvait y avoir le moindre inconvénient à ce que je lui rendisse visite si nous éprouvions l'une et l'autre le désir de nous voir. Dès que j'eus cette autorisation, j'envoyai une domestique demander à la jeune fille si elle voulait bien me permettre d'aller passer quelques minutes dans sa chambre. La servante revint immédiatement pour m'annoncer que c'était son plus cher désir. Soyez certain que je ne fus pas longue à profiter de cette permission. Notre visiteuse se trouvait dans une des plus belles pièces du Schloss, qui était assez imposante. Pendue à la paroi en face du lit, on voyait une tapisserie de teintes sombres sur laquelle Cléopâtre portait un aspic à son sein, et des scènes classiques d'un caractère solennel, aux couleurs un peu fanées, s'étalaient sur les 3 autres murs. Mais les autres motifs décoratifs de la pièce offraient assez de sculptures dorées, assez de couleurs vives pour compenser amplement la tristesse de la vieille tapisserie. Des bougies brûlaient au chevet du lit où la jeune fille était assise, sa mince et gracieuse silhouette enveloppée dans le doux peignoir de soie, brodé de fleurs et doublé d'un épais molleton que sa mère lui avait jeté sur les pieds pendant qu'elle gisait sur le talus. Qu'est-ce donc qui, au moment où j'arrivais tout près du lit et entamais mon petit discours de bienvenue, me frappa soudain de mutisme et me fit reculer de 2 pas. Je m'en vais vous le dire. Je voyais le même visage que j'avais vu dans mon enfance, au cœur de la nuit. Ce visage qui était resté gravé profondément dans ma mémoire, sur laquelle j'avais médité pendant tant d'années avec une si grande horreur, alors que nul ne soupçonnait la nature de mes pensées. Il était joli, voire beau. Et il avait la même expression de mélancolie que la première fois où il m'était apparu. Mais il s'éclaira presque aussitôt d'un étrange sourire de connaissance figée. Il y eut une bonne minute de silence, puis la jeune fille finit par prendre la parole, car personnellement, j'en étais incapable. « Voilà qui est prodigieux !» s'exclama-t-elle. « Il y a 12 ans, j'ai vu votre visage en rêve, et il n'a pas cessé de me hanter depuis lors.
Prodigieux en vérité, répétai-je, après avoir maîtrisé à grand-peine l'horreur qui m'avait empêché de parler pendant quelques instants. Il y a 12 ans, en rêve ou en réalité, je suis certaine, moi, de vous avoir vu. Je n'ai jamais pu oublier votre visage. Il est toujours resté devant mes yeux depuis lors. Son sourire s'était fait plus doux. Ce que j'avais cru discerner d'étrange avait disparu. Les fossettes qu'il creusait sur ses joues la faisaient paraître délicieusement jolie et intelligente. Me sentant rassurée, je repris mon compliment de bienvenue sur un mode plus hospitalier. Je lui dis que son arrivée accidentelle nous avait apporté à tous un très grand plaisir et qu'elle m'avait donné, à moi personnellement, un véritable bonheur. Tout en lui parlant, je lui avais pris la main. J'étais assez timide, comme tous ceux qui vivent dans la solitude, mais la situation m'avait rendue éloquente et même hardie. Elle posa sa main sur la mienne après l'avoir serrée tendrement. Puis, les yeux brillants d'un vif éclat, elle me jeta un regard rapide, sourit de nouveau et rougit. Elle répondit très joliment à mes paroles de bienvenue. Toujours en proie à une profonde stupeur, je m'assis à son côté. Après quoi, elle poursuivit en ces termes. « Il faut que je vous dise dans quelles circonstances vous m'êtes apparue. Il est vraiment très étrange que chacune de nous ait eu une vision si nette de l'autre, que je vous ai vue et que vous m'ayez vue telle que nous sommes à présent, alors que nous étions des enfants en ce temps-là. J'avais 6 ans à peine quand je m'éveillais une nuit d'un rêve confus et agité, pour me trouver dans une chambre très différente de la mienne, grossièrement lambrissée de bois de couleur sombre, dans laquelle étaient dispersées des armoires, des lits, des chaises et des bancs. À ce qu'il me sembla, les lits étaient tous vides et il n'y avait personne dans la pièce. Après avoir regardé autour de moi pendant un certain temps et admiré tout particulièrement un chandelier de fer à 2 branches que je serais capable de reconnaître aujourd'hui, je me glissais sous le lit pour gagner la fenêtre. Mais lorsque je fus arrivé de l'autre côté du meuble, j'entendis quelqu'un pleurer. Ayant levé les yeux, j'étais encore à genoux, je vous vis tel que je vous vois à présent. Une belle jeune fille aux cheveux d'or, aux grands yeux bleus, aux lèvres, vos lèvres, vous, en un mot, vous, tout entière, vous qui êtes là près de moi. Attirée par votre beauté, je grimpai sur le lit et vous pris dans mes bras. Puis, autant que je me souvienne, nous nous endormîmes toutes les deux. Un cri me réveilla brusquement. C'est vous qui criez, assise sur le lit. Frappée de terreur, je me laissai glisser sur le plancher et à ce qu'il me sembla, je perdis connaissance l'espace d'un instant. Quand je retrouvais l'usage de mes sens, j'étais à nouveau chez moi dans ma chambre. Depuis lors, je n'ai jamais oublié votre visage. Il est impossible que je sois abusée par une simple ressemblance. Vous êtes bien la jeune fille que j'ai vue il y a 12 ans. À mon tour, je lui narrai ma vision, si bien accordée à la sienne, et elle n'essaya pas de dissimuler sa stupeur. Je ne sais laquelle de nous devrait inspirer la plus grande crainte à l'autre, dit-elle en souriant à nouveau. Si vous étiez moins jolie, j'aurais très peur de vous. Mais à cause de votre beauté et de notre jeune âge, j'ai seulement l'impression d'avoir fait votre connaissance il y a 12 ans et d'avoir déjà droit à votre intimité. À tout le moins, il semble bien que nous ayons été destinés depuis notre plus tendre enfance à devenir amis. Je me demande si vous vous sentez aussi étrangement attiré vers moi que je me sens attiré vers vous. Je n'ai jamais eu d'amis. Vais-je en trouver une à présent ? Elle soupira. Et ses beaux yeux noirs me lancèrent un regard passionné. Or, à vrai dire, cette belle inconnue m'inspirait un sentiment inexplicable. J'étais effectivement, selon ses propres termes, attiré vers elle. Mais j'éprouvais aussi une certaine répulsion à son égard. Néanmoins, dans cet état d'âme ambigu, l'attirance l'emportait de beaucoup. Elle m'intéressait et me captivait, car elle était très belle et possédait un charme indescriptible. Mais à ce moment, je m'aperçus qu'elle paraissait en proie à une grande lassitude. En conséquence, je me hâtais de lui souhaiter une bonne nuit. « Le docteur estime, ajoutai-je, que vous devriez avoir auprès de vous quelqu'un pour vous veiller. Une de nos servantes est à votre disposition. Vous verrez que c'est une personne très calme et très compétente. » Je suis très touchée de votre bonté, mais je ne pourrais pas dormir s'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Cela m'a toujours été impossible.
Je n'aurai besoin d'aucun secours, et de plus, je dois vous avouer une de mes faiblesses. Je suis hantée par la crainte panique des voleurs. Notre maison a été cambriolée autrefois, et deux de nos domestiques ont été tués. Depuis, je ferme toujours ma porte à clé. C'est devenu une habitude. Vous paraissez si bonne que vous me pardonnerez, j'en suis certaine. Je vois qu'il y a une clé dans la serrure. Pendant quelques instants, elle me tint serrée dans ses beaux bras, en me murmurant à l'oreille. « Bonne nuit, ma chérie. Il m'est pénible de me séparer de vous, mais je dois vous dire bonne nuit. Je vous reverrai demain, assez tard, dans la matinée. » Elle se laissa retomber sur l'oreiller en soupirant, et ses beaux yeux me suivirent d'un regard tendre et mélancolique, tandis qu'elle murmurait à nouveau. « Bonne nuit, ma douce amie. » La sympathie et l'amour naissent spontanément dans le cœur des êtres jeunes. J'étais flattée de l'affection manifeste qu'elle me témoignait, bien que je ne l'eusse pas encore méritée. J'étais ravie de la confiance qu'elle plaçait en moi de prime abord. Elle avait décidé fermement que nous serions amis intimes. Nous nous retrouvâmes le lendemain. Je fus charmée par ma compagne, du moins à certains égards. Le grand jour ne retirait rien à sa beauté. C'était, sans aucun doute, la plus ravissante créature que j'eusse jamais rencontrée, et le souvenir déplaisant de son visage tel que je l'avais vu dans mon rêve d'enfant ne produisait plus sur moi l'effet terrible que j'avais ressenti en le reconnaissant pour la première fois à l'improviste. Elle m'avoua qu'elle avait subi un choc identique en me voyant, et cette même antipathie légère qui s'était mêlée à mon admiration pour elle. Nous nous mîmes à rire ensemble de notre frayeur momentanée. Chapitre 4. Ses habitudes, une promenade. Je vous ai dit que j'étais charmée par ma compagne à certains égards, mais il y avait en elle plusieurs choses qui me plaisaient beaucoup moins. Je commencerai par la décrire. Elle était d'une taille au-dessus de la moyenne, mince et étonnamment gracieuse. À l'exception de l'extrême langueur de ses gestes, rien dans son aspect ne révélait qu'elle fût malade. Elle avait un teint éclatant et coloré, des traits menus, parfaitement modelés, de grands yeux noirs au vif éclat. Sa chevelure était magnifique. Jamais je n'ai vu de cheveux aussi épais, aussi longs que les siens, lorsqu'ils retombaient librement sur ses épaules. Je les ai bien souvent soulevés dans mes mains et me suis émerveillée en riant de les trouver si lourds. Prodigieusement fins et soyeux, ils étaient d'un brun très sombre, très chaud, avec des reflets d'or. Quand elle était étendue sur sa chaise longue dans sa chambre, me parlant de sa voix douce et basse, j'aimais les dénouer et les laisser tomber de tout leur poids, pour ensuite les enrouler autour de mes doigts, les natter, les étaler, jouer avec eux. Ciel, si j'avais su alors tout ce que je sais maintenant. Je vous ai dit que plusieurs choses me déplaisaient en elle. Si j'avais été captivée par la confiance qu'elle m'avait témoignée la nuit de notre première rencontre, je m'aperçus par la suite qu'elle manifestait une réserve toujours en éveil, pour tout ce qui concernait elle-même ou sa mère, pour son histoire, ses ancêtres, sa vie passée, ses projets d'avenir. Sans doute étais-je déraisonnable et avais-je grand tort. Sans doute aurais-je dû respecter l'injonction solennelle que la majestueuse dame en velours noir avait faite à mon père. Mais la curiosité est une passion turbulente et sans scrupules, et aucune jeune fille ne saurait endurer patiemment de se voir déjouer sur ce point par une autre. À qui donc aurait-elle porté préjudice en m'apprenant ce que je brûlais de connaître? N'avait-elle pas confiance dans mon bon sens ou dans mon honneur? Pourquoi ne voulait-elle pas me croire quand je lui donnais l'assurance solennelle que je ne divulguerais pas la moindre de ses paroles à âme qui vive? Je croyais déceler une froideur qui n'était pas de son âge, dans ce refus obstiné, mélancolique et souriant, de me montrer le plus faible rayon de lumière. Je ne puis dire que nous nous querellâmes jamais sur ce point, car elle refusait toute querelle. En vérité, je me montrais injuste et impolie en la pressant de parler, mais je ne pouvais m'en empêcher. Pourtant, j'aurais pu tout aussi bien ne pas toucher à ce sujet. Ce qu'elle consentit à m'apprendre se réduisait à rien, à mon sens, tant j'étais déraisonnable dans mon estimation. Le tout se bornait à trois révélations fort vagues. En premier lieu, elle se nommait Carmilla. En second lieu, elle appartenait à une très noble et très ancienne famille. En troisième lieu,
Sa demeure se trouvait quelque part, à l'Occident. Elle refusa de me faire connaître le nom de ses parents, leur blason, le nom de leur domaine, et même celui du pays où ils vivaient. N'allez pas croire que je la tourmentais sans cesse de mes questions. Je guettais les moments propices et procédais par insinuation plutôt que par demande pressante, à l'exception d'une ou deux attaques directes. Mais quelle que fût ma tactique, j'aboutissais toujours à un échec complet. Reproches et caresses ne produisaient aucun effet sur elle. Pourtant, je dois ajouter qu'elle se dérobait avec tant de grâce mélancolique et suppliante, tant de déclarations passionnées de tendresse à mon égard et de foi en mon honneur, tant de promesses de tout me révéler un jour, que je n'avais pas le cœur de rester longtemps fâchée contre elle. Elle avait coutume de me passer ses beaux bras autour du cou, de m'attirer vers elle, et posant sa joue contre la mienne, de murmurer à mon oreille « Ma chérie, ton petit cœur est blessé. Ne me juge pas cruelle parce que j'obéis à l'irrésistible loi qui fait ma force et ma faiblesse. Si ton cœur adorable est blessé, mon cœur farouche saigne en même temps que lui. Dans le ravissement de mon humiliation sans borne, je vis de ta vie ardente et tu mourras, oui, tu mourras avec délice pour te fondre en la mienne. Je n'y puis rien. De même que je vais vers toi, de même, à ton tour, tu iras vers d'autres et tu apprendras l'extase de cette cruauté qui est pourtant de l'amour. Donc, pour quelque temps encore, ne cherche pas à en savoir davantage sur moi et les miens, mais accorde-moi ta confiance de toute ton âme aimante. » Après avoir prononcé cette rhapsodie, elle resserrait son étreinte frémissante et ses lèvres me brûlaient doucement les joues par de tendres baisers. Son langage et son émoi me semblaient pareillement incompréhensibles. J'éprouvais le désir de m'arracher à ces sottes étreintes, qui, je dois l'avouer, étaient assez rares. Mais toute mon énergie semblait m'abandonner. Ses paroles, murmurées à voix très basse, étaient une berceuse à mon oreille, et leur douce influence transformait ma résistance en une sorte d'extase d'où je ne parvenais à sortir que lorsque mon ami retirait ses bras. Elle me déplaisait grandement dans ses humeurs mystérieuses. J'éprouvais une étrange exaltation, très agréable certes, mais à laquelle se mêlait une vague sensation de crainte et de dégoût. Je ne pouvais penser clairement à Carmilla au cours de ces scènes. Néanmoins, j'avais conscience d'une tendresse qui tournait à l'adoration, en même temps que d'une certaine horreur. Je sais qu'il y a là un véritable paradoxe, mais je suis incapable d'expliquer autrement ce que je ressentais. Tant que j'écris ces lignes d'une main tremblante, plus de 10 ans après, je garde le souvenir horrifié et confus de certains incidents, de certaines situations, au cours de l'ordalie que je subissais à mon insu. Par contre, je me rappelle avec une très grande netteté le cours principal de mon histoire. En vérité, je crois que dans la vie de chacun de nous, les scènes pendant lesquelles nos passions ont été stimulées d'une façon particulièrement effroyable sont celles entre toutes qui laissent l'impression la plus vague sur notre mémoire. Pourtant, après une heure d'apathie, mon étrange et belle compagne me prenait la main et la serrait longtemps avec tendresse. Une légère rougeur aux joues, elle fixait sur mon visage un regard plein de feu languide, en respirant si vite que corsage se soulevait et retombait au rythme de son souffle tumultueux. On eût cru voir se manifester l'ardeur d'un amant. J'en étais fort gênée, car cela me semblait haïssable et pourtant irrésistible. Me dévorant des yeux, elle m'attirait vers elle, et ses lèvres brûlantes couvraient mes joues de baisers, tandis qu'elle murmurait d'une voix entrecoupée « Tu es mienne, tu seras mienne, et toi et moi, nous ne ferons qu'une à jamais. » Après quoi, elle se rejetait en arrière sous sa chaise longue, couvrait ses yeux de ses petites mains et me laissait toute tremblante. « Sommes-nous donc apparentés ? » lui demandai-je. « Que signifient tous ces transports ? Peut-être trouves-tu en moi l'image d'un être que tu chéris, mais tu ne dois pas te comporter de la sorte. Je déteste cela. Je ne te reconnais pas. Je ne me reconnais pas moi-même quand tu prends ce visage, quand tu prononces ces paroles. » Ma véhémence lui arrachait alors un grand soupir. Elle détournait la tête et lâchait ma main. J'essayais vainement d'échafauder une théorie satisfaisante au sujet de ces manifestations extraordinaires. Je ne pouvais les attribuer
ni à la simulation, ni à la supercherie, car à n'en pas douter, elle n'était que l'explosion temporaire d'une émotion instinctive, réprimée. Carmilla souffrait-elle de brefs accès de démence, quoique sa mère eût affirmé le contraire? Ou bien s'agissait-il d'un déguisement et d'une affaire de cœur? J'avais lu des choses semblables dans des livres d'autrefois. Un jeune amant s'était-il introduit dans la maison pour essayer de me faire sa cour en vêtements de femme avec l'aide d'une habile aventurière d'âge mûr? Mais, si flatteuse que fut pour moi cette hypothèse, plusieurs choses m'en démontraient la vanité. Je ne pouvais me vanter de recevoir aucune des petites attentions que la galanterie masculine se plaît à prodiguer. Ces moments de passion étaient séparés par de longs intervalles de calme, de gaieté ou de tristesse pensive, au cours desquels j'aurais pu croire parfois ne lui être rien, si je ne l'avais pas vu suivre tous mes mouvements de ses yeux, où brûlait une flamme mélancolique. En dehors de ces brèves périodes de mystérieuse exaltation, elle avait un comportement tout féminin, entièrement incompatible avec un organisme masculin en bonne santé. Certaines de ses habitudes me paraissaient bizarres, bien qu'une dame de la ville comme vous puisse les trouver moins singulières qu'elles ne l'étaient pour nous autres campagnards. Elle descendait généralement très tard, vers 1 h de l'après-midi, et prenait alors une tasse de chocolat, sans rien manger. Ensuite, nous allions faire une promenade, un simple petit tour, mais elle semblait épuisée presque immédiatement. Ou bien elle regagnait le château, ou bien elle restait assise sur un des bancs placés çà et là parmi les arbres. Son esprit ne s'accordait point à cette langueur corporelle, car sa conversation était toujours très animée et très intelligente. Parfois, elle faisait une brève allusion à sa demeure, ou encore, elle mentionnait une aventure, une situation, un souvenir d'enfance, nous révélant ainsi l'existence d'un peuple dont les us et coutumes nous étaient complètement inconnus. Ces indications fortuites m'apprirent que son pays natal se trouvait beaucoup plus loin que je ne l'avais cru tout d'abord. Un après-midi, alors que nous étions assis sous les arbres, un cortège funèbre passa devant nous. C'était celui d'une belle adolescente que j'avais vue souvent, la fille unique d'un garde forestier. Le pauvre homme marchait derrière le cercueil de son enfant bien-aimé et semblait accablé de désespoir. Derrière lui, de par deux, venaient des paysans qui chantaient un hymne funèbre. Je me levai en témoignage de respect et joignis ma voix à leur cœur mélancolique. À ce moment, ma compagne me secoua avec une certaine rudesse. Je me retournai vers elle d'un air surpris. « N'entends-tu pas combien ce chant est discordant ?» me demanda-t-elle avec brusquerie. « Tout au contraire. Il me paraît fort harmonieux, » répondis-je, contrarié par cette interruption et me sentant très mal à mon aise à l'idée que les gens du petit cortège pourraient s'apercevoir et s'irriter de ce qui se passait. En conséquence, je me remis à chanter aussitôt, pour être à nouveau interrompu. « Tu me perces le tympan !» s'écria Carmilla en se bouchant les oreilles de ses doigts minuscules. « De plus, comment peux-tu savoir si nous avons toi et moi la même religion ? Vos rites me blessent et je déteste les enterrements. Que de bruit pour si peu de choses ! Allons donc ! Tu dois mourir, chacun de nous doit mourir et nous sommes tellement plus heureux une fois morts. Viens, rentrons au château. » Mon père a accompagné le prêtre au cimetière. Je croyais que tu savais qu'on devait enterrer cette pauvre fille aujourd'hui. « Moi ? » répondit-elle, tandis qu'une flamme de colère brillait dans ses beaux yeux. « Je me soucie bien de vos paysans, je ne sais même pas qui elle est. » C'est l'infortunée qui a cru voir un fantôme il y a 15 jours. Depuis, elle n'a pas cessé de subir une lente agonie, et elle est morte hier. « Ne me parle pas de fantôme, sans quoi je ne dormirai pas cette nuit. » J'espère que nous ne sommes pas menacés de la peste ou de quelque fièvre maligne, bien que tout ceci puisse le faire craindre. La jeune femme du porcher est morte la semaine dernière. Elle a eu l'impression d'être saisie à la gorge et presque étranglée pendant qu'elle dormait dans son lit. Papa affirme que ces horribles fantasmes accompagnent certains genres de fièvre. L'infortunée créature jouissait d'une parfaite santé la veille de cette nuit fatale. Depuis, elle n'a pas cessé de décliner et elle est morte en moins d'une semaine. Eh bien, j'espère que ces funérailles à elle sont terminées et que l'on a fini de chanter son hymne. Ainsi, nos oreilles ne seront point torturées par cette musique discordante et ce jargon insupportable. Tout ceci m'a bouleversée. Assieds-toi ici, à côté de moi. Viens plus près. Prends ma main. Serre-la fort, bien fort. Encore plus fort.
Après avoir fait quelques pas en direction du château, nous étions arrivés à un autre banc. Nous nous assîmes. Son visage subit une métamorphose qui m'alarma et même me terrifia l'espace d'un instant. Il s'assombrit et prit une affreuse teinte livide. Les dents serrées, les mains crispées, elle fronçait les sourcils en regardant fixement le sol à ses pieds. Son corps était agité d'un tremblement impossible à réprimer, comme sous l'effet d'une forte fièvre. Elle semblait faire appel à toute son énergie pour réprimer une crise de nerfs contre laquelle elle luttait en retenant son souffle. Enfin, elle poussa un cri étouffé de douleur et se calma peu à peu. « Voilà !» dit-elle alors. « Voilà ce que c'est que d'étrangler des gens avec des hymnes. Ne me lâche pas encore, ma chérie, cela va passer. » En effet, peu à peu, cela passa. Après quoi, peut-être pour dissiper l'impression pénible que ce spectacle m'avait laissée, elle se mit à bavarder avec plus d'animation que de coutume. Et ainsi, nous regagnâmes le château. C'était la première fois que je l'avais vue montrer des symptômes très nets de cette fragilité de constitution dont sa mère avait parlé. C'était également la première fois que je l'avais vue manifester une certaine mauvaise humeur. Tout cela disparut comme un nuage d'été. Par la suite, je n'assistai qu'à un seul accès de colère de sa part. Je vais vous dire dans quelles circonstances. Un jour, nous regardions toutes deux par l'une des fenêtres du salon, quand nous vîmes pénétrer dans la cour un vagabond que je connaissais bien, car il venait généralement au château deux fois par an. C'était un bossu qui avait, comme presque tous ses pareils, un visage maigre aux traits anguleux. Il portait une barbe noire taillée en pointe et un large sourire découvrait ses dents d'une éclatante blancheur. Par-dessus ses vêtements marrons, noirs et rouges, se croisaient plus de courroies et de ceintures que je n'en pouvais compter, auxquelles étaient accrochés des objets hétéroclites. Sur son dos, il portait une lanterne magique et deux boîtes dont l'une contenait une salamandre et l'autre une mandragore. Ces monstres ne manquaient jamais de faire rire mon père. Ils étaient composés de diverses parties de singes, de perroquets, d'écureuils, de poissons et de hérissons, desséchés et fort adroitement cousus ensemble de façon à produire un effet saisissant. Il avait aussi un violon, une boîte d'accessoires de prestidigitateur, deux fleurets et deux masques accrochés à sa ceinture, et plusieurs autres boîtes mystérieuses pendillant tout autour de lui. Il tenait à la main une canne noire à bout de cuivre. Un chien maigre aux poils rudes le suivait comme une ombre. Mais ce jour-là, il s'arrêta devant le pont-levis, dans une attitude soupçonneuse, et presque aussitôt se mit à pousser des hurlements lugubres. Cependant, le saltimbanque, debout au milieu de la cour, ôta son chapeau grotesque, nous fit un salut cérémonieux, puis commença à nous débiter des compliments volubiles en un français exécrable et un allemand presque aussi mauvais. Ensuite, ayant pris son violon, il se mit à racler un air plein d'entrain qu'il chanta fort gaiement d'une voix discordante, tout en exécutant une danse bouffonne, si bien que je ne pus m'empêcher de rire aux éclats, malgré les hurlements du chien. Enfin, il s'avança jusqu'à la fenêtre, multipliant sourires et saluts, son violon sous le bras, son chapeau à la main. Puis avec une volubilité étourdissante, sans jamais reprendre haleine, il nous débita un boniment interminable dans lequel il énuméra ses divers talents, les ressources des arts multiples qu'il mettait à notre service, les curiosités et les divertissements qu'il était à même de nous montrer si nous lui en donnions l'ordre. Plairait-il à vos seigneuries d'acheter une amulette contre l'oupire, qui, si j'en crois les rumeurs, erre à travers ces bois ainsi qu'un loup ? Dit-il en jetant son chapeau sur les pavés. Il tue les gens à plusieurs lieues à la ronde, mais voici un charme infaillible. Il vous suffira de l'épingler à votre oreiller et vous pourrez lui rire au nez. Ces charmes consistaient en petits morceaux de parchemin de forme oblongue, couverts de diagrammes et de signes cabalistiques. Carmillan en acheta un sur le champ. Je suivis son exemple. Le colporteur tenait les yeux levés vers nous et nous lui adressions un sourire amusé depuis notre fenêtre. Du moins, je puis en répondre en ce qui me concerne. Pendant qu'il nous dévisageait, ses yeux noirs semblèrent découvrir quelque chose qui retint sa curiosité. En un instant, il eut déroulé une trousse de cuir pleine de bizarres petits instruments d'acier de toutes sortes. « Regardez bien ceci, madame,
me dit-il en me la montrant. Entre autres choses beaucoup moins utiles, je professe l'art de la dentisterie. Peste soit du chien, silence, sale bête! Il hurle si fort que vos seigneuries ont peine à m'entendre. Votre noble ami à votre droite est pourvu de dents extrêmement tranchantes, longues, fines, pointues, comme une haleine, comme une aiguille. Grâce à mes yeux perçants, j'ai vu cela de façon très nette. Si la noble demoiselle en souffre, et je crois qu'elle doit en souffrir, me voici avec ma lime, mon poinçon et mes pinces. S'il plaît à sa seigneurie, je vais les arrondir, je vais les émousser. Elle n'aura plus de dents de poisson, elle aura les dents qui conviennent à une si belle demoiselle, hein? La demoiselle est-elle mécontente? Me serais-je montré trop hardi? Ou l'aurais-je offensée sans le vouloir? En vérité, la demoiselle avait l'air fort courroucée, tandis qu'elle s'écartait de la fenêtre. Comment ce saltimbanque a-t-il le front de nous insulter de la sorte? Où est ton père, Laura? Je vais exiger réparation. Mon père à moi aurait fait attacher ce misérable à la pompe, puis il l'aurait fait fouetter et brûler jusqu'à l'os, avec un fer rouge aux armes du château. Sur ces mots, elle s'éloigna de la fenêtre pour aller s'asseoir sur un siège. À peine avait-elle perdu de vue l'offenseur que son courroux se calma aussi promptement qu'il avait pris naissance. Peu à peu, elle retrouva son ton de voix habituel et sembla oublier le petit bossu et ses folies. Ce soir-là, mon père me parut fort déprimé. En rentrant au château, il nous apprit qu'il venait d'être informé d'un autre cas semblable aux deux derniers, qui avait eu récemment une issue fatale. La sœur d'un jeune paysan de son domaine, à 1 mille de distance, était très malade. Après avoir été attaquée, selon ses propres termes, comme les précédentes victimes, elle ne cessait pas de décliner lentement mais régulièrement. « Les causes de ce mal sont parfaitement naturelles, » conclut mon père. « Mais ces pauvres gens se contaminent l'un l'autre par leurs superstitions. Leur imagination reflète les images de terreur qui ont empoisonné l'esprit de leurs voisins. » « Ce seul fait me semble terrifiant en soi, » dit Carmilla. « Comment cela ?» demanda mon père. « Je suis horrifiée à l'idée que je pourrais imaginer des choses pareilles. J'estime que cette chimère serait aussi effroyable que la réalité. Nous sommes entre les mains du Seigneur. Rien n'arrive ici-bas sans sa permission. Et tout finira bien pour ceux qu'il aime. Il est notre fidèle Créateur. Il nous a fait tous tant que nous sommes et il prendra soin de nous. » « Le Créateur ? Disons plutôt la nature !» s'exclama Carmilla en réponse à ses douces paroles. « Oui, la maladie qui ravage ce pays est naturelle. Tout provient de la nature, n'est-ce pas ? Tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre et sous la terre, agit et vit selon ce qu'ordonne la nature. Telle est ma conviction. » Le médecin a dit qu'il viendrait me voir aujourd'hui, reprit mon père après quelques instants de silence. « Je veux savoir ce qu'il pense de tout cela. » et le consulter sur ce que nous avons de mieux à faire. « Les médecins ne m'ont jamais fait aucun bien, » déclara Carmilla. « Tu as donc été malade ?» lui demandai-je. « Plus que tu n'as jamais été. »« Il y a longtemps ?»« Oui, très longtemps. »« J'ai eu cette même maladie dont nous venons de parler, mais je n'en garde aucun souvenir, en dehors de la grande faiblesse et des souffrances que j'ai subies alors. »« Je dois ajouter qu'elles ont été amoindries. » Je dois ajouter qu'elles ont été moindres que celles dont s'accompagnent beaucoup d'autres affections. Tu étais très jeune à cette époque ? Oui, mais laissons là ce sujet. Tu ne voudrais pas tourmenter une amie, n'est-ce pas ? Elle fixa sur moi un regard empreint de langueur. Puis, me prenant par la taille d'un geste tendre, elle m'entraîna hors de la pièce, cependant que mon père examinait des papiers près de la fenêtre. « Pourquoi ton papa prend-il plaisir à nous effrayer ainsi ?» me demanda-t-elle en soupirant, tandis qu'un léger frisson parcourait tout son corps. « Tu te trompes, ma chère Carmilla. Rien ne saura être plus loin de son esprit. »« As-tu peur, ma chérie ? » ?»« J'aurais très peur si je me croyais vraiment en danger d'être attaquée, comme l'ont été ces pauvres femmes. »« Tu as peur de mourir ? » ?»« Bien sûr, tout le monde éprouve cette crainte. » »« Mais mourir comme peuvent le faire deux amants ? » Mourir ensemble, afin de pouvoir vivre ensemble. Les jeunes filles sont semblables à des chenilles pendant leur existence ici-bas, pour devenir enfin des papillons quand vient l'été. Mais, dans l'intervalle, il y a des larves et des chrysalides, comprends-tu ? Dont chacune a ses penchants, ses besoins et sa structure. C'est ce que dit M. Buffon
dans son gros livre qui se trouve dans la pièce voisine. Le médecin arriva un peu plus tard dans la journée et il s'enferma aussitôt avec mon père pendant quelque temps. C'était un praticien habile, âgé de plus de 60 ans, dont le pâle visage rasé de près était aussi lisse qu'un potiron. Lorsque les deux hommes sortirent de la pièce où ils avaient été conférés, j'entendis papa déclarer en riant « Cela m'étonne, de la part d'un homme aussi sage que vous l'êtes. Que pensez-vous des hippogriffes et des dragons ?» Le médecin hocha la tête et répondit en souriant « Quoi qu'il en soit, la vie et la mort sont des états bien mystérieux et nous ne savons presque rien des ressources qu'ils recèlent. » Sur ces mots, ils s'éloignèrent et je n'en entendis pas davantage. J'ignorais à ce moment-là quel sujet le docteur avait entamé, mais je crois l'avoir deviné aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ce deuxième vlog lecture sur Carmilla de John Sheridan Le Fanu. Dans le précédent vlog lecture, on avait lu le prologue et les deux premiers chapitres, et là on a lu donc le troisième et quatrième chapitre. J'aime beaucoup le style de l'auteur, je vous avouerai, et j'aime bien cette impression de mystère en fait que Laura ressent autour de Carmilla, qui n'a pas l'air nette du tout. Il y a même Loupir qui a été nommé. C'est Oupire, O-U-P-R-E, je vérifie vite fait ce que ça veut dire. Il me semble bien que c'est un nom pour un vampire. Ouais, Loupir, ça veut dire vampire ou ghoul. Donc c'est dans la mythologie slave, un mort-vivant et une créature qui tue les êtres humains en leur suçant le sang ou en les dévorant. Il est le plus souvent décrit comme un sorcier mort qui sort de sa tombe une fois la nuit tombée. De tels cadavres étaient déterrés loin des villages et d'une manière particulière. La croyance en son existence était très répandue en Ukraine, mais moins dans le nord de la Russie. Selon la croyance populaire, il pouvait apporter la famine, la peste et la sécheresse. Il correspond plus ou moins aux vampires des traditions d'Europe occidentale ou aux Vourdalak de la mythologie slave, bien que leurs caractéristiques restent bien différenciées encore au XIXe siècle. Donc c'est Wikipédia qui dit ça. Et au niveau des croyances, donc là Loupir, ils l'écrivent O-U-P-Y-R et dans le texte c'était O-U-P-I-R-E. La croyance dans Loupir est liée à la notion d'existence de deux types de morts, celle où l'âme du défunt a trouvé un réconfort dans l'autre monde et celle où le défunt continue son existence après le trépas, à la frontière entre les deux mondes. Les Loupirs vivent avec les loups-garous, les sorciers et les individus excommuniés ou frappés d'anathèmes, hérétiques, apostats, certains types de criminels et maniaques. La nuit, les oupirs se lèvent de leur tombe et parcourent la terre. Grâce à leur apparence humaine, il leur est facile de pénétrer dans les maisons et de sucer le sang de ceux qui dorment. Ils doivent impérativement retourner dans leur tombe avant le premier chant du coq. Il est possible de tuer un oupir en plantant un puits en bois dans son corps. Si cela ne fonctionne pas, le corps est brûlé. On considérait les oupirs comme un fléau, source de mauvaise récolte et de sécheresse. En plus, là, je trouve qu'on balaye vraiment tout ça parce qu'il y a l'espèce d'étrange maladie, les attaques que subissent uniquement des femmes du village. Le père de Laura a l'air de considérer ça comme des croyances du flanc, en gros. Et alors, je vous précise juste que dans ce vlog, je ne veux pas être très précise parce que la lecture du prologue et des deux premiers chapitres remonte à plusieurs semaines chez moi. Oh, ça date du 4 juillet. Au moment où je filme ça, c'est le 23 septembre. Donc vous voyez, il y a quand même un sacré laps de temps. Ce qui fait que j'ai zappé pas mal de choses. Et comme je vous l'avais dit, donc au précédent vlog, on avait parcouru 20% du livre. Là, on est déjà à 40%, donc ça va être très rapide. À mon avis, ça va aller de 20 en 20 à la louche, donc ça va être fait sur 5 semaines. Mais je trouve ça hyper intéressant. En fait, moi, j'aime bien tout ce qui est littérature fantastique. Je me découvre aussi une passion pour la littérature gothique en ayant lu notamment
pas le Catherine Morland de Jane Austen. Il faudrait que je lui relaisse une chance. Parce que c'était le premier livre que je lisais de Jane Austen et je suis passée complètement à côté. Je l'ai trouvé long, je l'ai trouvé chiant. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que Jane Austen se moquait des romans gothiques qui étaient très à la mode à son époque. Tout comme elle se moque aussi dans notamment Raison et Sentiment, enfin Raison et Sensibilité. Elle se moque des romans sentimentaux, donc des romans pour les femmes. Et là, John Sheridan le Fanu, je vous ferai une petite vidéo sur John Sheridan le Fanu parce que c'est assez intéressant. Il faisait partie d'un cercle d'auteurs de romans gothiques. Il était connu de Bram Stoker et Carmilla est paru 25-30 ans avant Dracula. Mais et on parle bien aussi d'homosexualité féminine. Après, bon, il y a des termes qui sont de l'époque. Je crois qu'il parle d'une négresse. La description passerait pas trop si c'était un livre qui sortait aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a une espèce de répulsion aussi de Laura par rapport à son attirance-répulsion envers Carmilla. Donc je pense que l'homosexualité féminine ne va pas être traitée de manière très positive. Je pense surtout c'est dans les gestes que Carmilla a envers elle, le fait que ça la gêne et qu'elle trouve sans doute cela contre nature, ce qui était sans doute ce qui était sans doute la pensée de l'époque, parce que je pense bien qu'à l'époque, je me souviens plus exactement dans quel lieu, enfin dans quel pays se passe Carmilla, mais John Sheridan le Fanu était irlandais. Et je vais vérifier vite fait de quand ça date, Carmilla. Carmilla, John Sheridan le Fanu. Je vais vous lire un petit bout de wiki. Ça date de 1872. Donc je pense qu'à l'époque, en fait, c'était carrément hors la loi et c'était aussi sans doute hors de l'Église. Et donc ça se passe en Styrie. La Styrie, c'est l'Autriche. Je ferai de toute façon un petit quelque chose pour creuser un petit peu ce que John Sheridan le Fanu a écrit. Carmilla de John Sheridan le Fanu, c'est paru en 1872 et Dracula en 1897. En tout cas, c'est bien mystérieux. J'ai l'impression que c'est bien Carmilla qui attaque les jeunes femmes là du village, enfin les femmes du village. Parce que le truc bizarre, c'est tout le secret autour de ses origines, de son pays, de son nom de famille même. Le fait qu'elle ferme sa porte à clé, elle est encore faible, elle reste là pendant 3 mois. Donc je ne sais pas si à un moment ils vont réussir à mettre en relation en fait l'espèce de peste entre guillemets qui touche le village et la présence de Carmilla. Est-ce que Carmilla va finir par se faire buter la tronche à la fin ou pas? Parce que clairement, si on a une grosse bestiole, enfin une bestiole, si on a une créature surnaturelle qui est en train de dézinguer à tour de bras des villageois, au bout d'un moment, si on sait qui c'est, en toute logique, on y va avec les fourches et les torches. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne fréquente pas de vampires, personnellement. Mais bon, je serais prête à sortir la fourche et la torche. Dans ces cas-là, là on est sur un côté vraiment prédation, on est sur le côté dangereux. Dans un autre contexte, vous me direz, les vampires, Shane Rice, c'est des... la notion de consentement, qu'il soit sexuel ou est-ce que tu veux être immortel pour la vie et croquer des gens, c'est pas ça, mais c'est la réalité de la créature aussi. Bref, je trouve ça très intéressant de découvrir Carmilla avec vous. Je sais pas si j'ai plus de choses que ça à en dire. J'aime beaucoup. Eh bien, à tout bientôt et mangez de l'ail. Sinon, vous pouvez rêver tout grand de vampires sexy qui ressemblent à des boules à facettes quand ils prennent le soleil. À tout bientôt.